Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty World War 2, donc une vidéo information à propos des emblèmes, car les emblèmes moi je n'étais pas au courant, mais on peut en créer et même en télécharger, donc voilà c'est pour ça que je vous en parler tout de suite. Donc pour ce faire il va falloir se rendre en multijoueur dans le quartier général, vous allez descendre près de la plage et ici quand vous allez remonter vers ici, vers la droite, il sera marqué emblème galerie. Donc après, il suffit juste d'interagir avec carré. Et là, vous allez pouvoir créer vos emblèmes, envoyer des emblèmes et même voir les emblèmes des autres, même les télécharger si vous voulez. Donc là, on voit les 50 meilleurs, donc les meilleurs côtés, les mieux côtés. On voit les 50 meilleurs emblèmes de Call of Duty WW2. Alors pour le télécharger, c'est tout simple, vous avez juste à cliquer sur carré, donc vous cliquez carré et voilà, là vous l'avez récupéré, vous pouvez le mettre chez vous et vous pouvez bien sûr aussi liker en appuyant sur X. Après vous pouvez voir ceux de vos amis aussi, donc dans votre les amis vous cherchez l'ami qui a créé un emblème tout simplement et vous cliquez sur X pour choisir son emblème si lui il en a un. Donc bien sûr personne n'en a, enfin, de mon côté personne n'en a à part Cantino, ben voilà il a fait une feuille de cannabis. Très, très 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 beau, je vais liker, donc voilà je mets j'aime. Donc si je veux la récupérer j'appuie juste sur carré, mais j'ai pas besoin de la récupérer de toute façon parce que moi je m'en suis créé une aussi. Donc je me suis créé, donc il suffit juste d'aller dans créer des emblèmes, vous faites plus créer un emblème, puis après ben vous avez plusieurs emplacements pour mettre plusieurs logos, formes, lettres, chiffres, tout ce que vous voulez, enfin pas tout ce que vous voulez mais tout ce qu'il y a de disponible quoi, bien sûr. Donc moi je me suis créé un emblème qui est celui-ci. Donc voilà il est assez banal, je savais pas trop quoi faire. J'ai fait du mieux que je pouvais, tu vois, j'ai pas trop été créatif, mais enfin, voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais. Je le trouve quand même assez stylé, voilà. Alors quand vous avez créé votre emblème, pour le mettre dans le téléchargement, il va falloir. Attendez voir, voilà. Il va falloir aller dans envoyer des emblèmes. Voilà, et de là vous avez vos emblèmes. Après vous avez les emblèmes publiés. Donc moi j'ai déjà publié le mien. Donc n'importe qui pourra le récupérer. Mais si vous ne le publiez pas, vous ne pourrez pas le récupérer. Vous avez droit à un maximum 10 emblèmes. Donc voilà, voilà. Je voulais juste vous tenir au courant de ça parce que moi j'étais pas au courant que ça existait. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit que j'allais vous partager cette information. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos de potos. Allez, ciao, peace.